Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipiès, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. Avec nous ce matin, le sénateur Andris Richer, à la rubrique Le Point pour commenter l'actualité. Comme vous le savez, c'est toujours avec plaisir qu'on accueille le pasteur Richer, pasteur Andris Richer, sur le plateau de la rubrique Le Point de Métropole. Nous comptons pile, sénateur, vous recevoir aujourd'hui. Hein. Merci Wendel, et puis je remercie tout le staff là qu'il a, et puis profiter de saluer la population, hein, tout le monde qui attend de nous, et qui a regardé nous tous, quel que soit côté de le pays ou ailleurs. Je dis, je ne me pas tellement senti ou jovial, même genre avec l'autre fois où on vient participer dans l'émission. C'est le problème pays qui fait ça, qui fait ça? Bon, tout ça là dans l'île, mais on connaît. Entre temps, c'est que ces derniers temps, j'ai eu un pile de difficultés. J'avais quand même, donc, il y a quand même seulement deux cadavres. Covid ou bien? Non, mon qui, bon, il y a une, c'est pendant la bain, je suis tombé dans la douche là, et puis l'autre là, son nièce moi qui a accouché, et puis trois jours après accouchement, elle est mourue, donc sans rien. Nous présentons donc, ça condoléances, ça t'a dit, j'ai frappé, non? Dis, on me présente vos condoléances. Merci. Et puis, entre temps, tout, on connaît. Bon, tout ça qui a passé dans le pays, lorsqu'un personnage politique, donc ça, on dit, j'en agis sous auto, parce que, on gagne, lutter toute vie dans l'espoir d'un changement de société pour que le pays avance d'une autre manière, et puis, et pour rendre compte que chaque jour, il y a un empiré. Donc, ça pour tout. Bon, mais quelqu'un qui pense que le problème, ça, c'est seulement dans la capitale là que vous voyez. Par exemple, vous-même qui vivez dans la grandance, et vous ne pouvez pas faire face à ces difficultés, ça, telles que l'insécurité, le kidnapping et autres. Vous envahissez en bas tout, par exemple. Tout partout. Et hier soir encore, ma blé, une seule machine qui fait liaison. Jérémy, Damarance, Zenoïwa, qui sont monsieur qui est les matelots, ça fait près de 15 ans que la fête trajet, c'est le même qui fait. Bon, hier soir, bandit attaqué lui. Et puis, yo sauté, monsieur font coup de volant. Et puis, il y a deux, trois bandits qui tombent dans le trou. Et puis, l'autre bandit qui piba dans la zone Chambellan dit que yo pas au bout les machines, si bien que monsieur vient paniquer. Monsieur dit qu'il n'a pas fait zone encore. Donc, ça veut dire que pour l'instant, c'est trajet après le couper. Et en plus de ça, il y a aussi une zone, bon, là, il y a les désormaux, et puis zone ça, il vient une sorte de zone de non-droit, presque. On connaît que de Chambellan, Madame Marie, il y a un espace côté que vraiment pas de caille, pas d'habitation. Donc, vous profitez de dette ou ça pour opérer, surtout le monde qui passe avec moto. Jusqu'à date, il n'y a pas qu'on attaque une machine, mais voilà que hier soir, on commençait. Ça veut dire que, situation que nous gagnons en bas, c'est que ce soit à Chambellan ou à Dame-Marie, il n'y a pas d'effectif. Et puis, le commissariat n'y a pas de moyens de transport. C'est ça, Nabaldo. Est-ce que la police n'est pas présente? Qui est la police bon, réagit? Il y a là, mais comme si Nabaldo, pour aller dans une zone, ça, même quand il y a un cas, par exemple, il y a trois jours, tu as eu un cas d'assassinat, tu as tué un nègre qui sont coutiers bolettes et puis tu as tué le prêt tout ça. Mais c'est le lendemain que la police est obligée d'aller. Mais les là, les sous moto, parce que nègre et papillon dans toute zone. Non. Bon, il n'y a pas que cette zone-là, mais c'est partout à travers le pays que le type de désordre, ça, surtout les gens qui évadent de prison, calcérés dans une zone côté sorti. Même songer, alors, on va demander si ça me dit pas correct. Je songer longtemps, tu gagnes une sorte d'entraide, tu gagnes une sorte de solidarité
qui était rare dans la ville, qui n'a pas joué vraiment dans la ville. En dehors, les paysans ont été entendus, ils étaient solidaires entre eux. Ils ont été conscients de pour faire rassemblement, il y a un problème. Je dis, on parle de ça encore? Eh bien, ça qui vient un problème, c'est que parfois c'est pour petit qui vient dans Port-au-Prince, qui entre dans la gang, et ils sont pourchassés par la police, ils retournent dans la zone. Et avec tous les amis. Et généralement, on doit arriver dans la zone où ils jouent Wendell. Eh bien, toute famille Wendell, Robren, si vous avez un truc par être là-dedans, tout a caché pour lui. Et c'est comme ça va venir, ça veut dire une sorte de citoyenneté, une sorte de tolérance qui fait qu'il n'y a plus moyen de faire de faire de solidarité avec personne parce que tout le monde vient peur. Parce que sous dénoncer un tel, ça peut arriver, c'est que c'est mettre babou à la trompe, mais quelques jours après ou bien quelques heures, eh bien, ou même ou bien doit être victime, donc mon yon vient peur. Donc ça veut dire que dans ce sens ça, donc presque pas gagné comme c'est Mnado. Je ne parle pas de sa dénonciation, c'est que normalement, quand il y a des bandits qui s'arrogent le droit de faire tout ça dans nos zones, il faut quand même que la population soit en mesure à même de dénoncer bagay sa yo et puis accompagner la police en sens ça. Mais nous venons peur bleue que moun yo vraiment presque pas fonctionner en sens ça encore. Qu'est-ce que j'en pense haïtien yo t'a dû adresser problème insécurité et kidnapping là, comment t'a dû adresser? Bon, premier bagage, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une entente nationale. C'est-à-dire, il faut nous considérer ça comme une situation d'urgence, d'extrême urgence. Voilà. Et dans ce cas-là, c'est toute la population, c'est-à-dire toutes les forces vives de cette nation, qui a supposé faire une sorte d'entente pour nous couper ça qu'a fait là. Parce que moi, j'ai l'impression que Haïtien est trop petit. Pour ce qui a mené ça, moi, qui a fait là. J'ai l'impression que le pays est en train d'être victime d'un complot que personne ne va voir que complot. C'est simplement on s'amuse à identifier X, Y, Z, mais ce qui est faux. Parce que, regardez par exemple, et Jean Frontier noyé avec la République voisine. Regardez par exemple, Jean Pierre a fonctionné, il n'y a pas de garde-côte, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire que quelqu'un peut sortir de la Jamaïque et entrer avec un bateau n'importe côté. Un pays a le déposé, ça le veut. Et les ça, pas de monde qui. Pas de monde qui a fait, parce que surtout, il y a un phénomène de cocaïne qui a fait dans le pays. Les gens qui ont un bateau, ils pensent que c'est cocaïne qui a porté, tandis que les gens doivent porter toute l'autre bagaille. Alors, dans ce sens-là, moi, je pense que son vigilance nationale qui doit être faite. C'est-à-dire qu'il faudrait que qu'on sorte de trêve qui est faite dans le pays hein, contre Samdarele, arrogance politique qui a fait pour que, ensemble, nous fixions Buya et puis nous cherchions solution. Mais comment ça, vous pensez le capable possible quand le pouvoir a plongé de sous opposition? Quand le pouvoir dit que c'est l'opposition qui a fait kidnapping pour déstabiliser, et l'opposition, quand on parle de longer de ouest sous pouvoir, il dit que c'est le pouvoir qui a fait kidnapping pour toute raison, pour faire mon peur, pour ne pas prendre la rue, pour etc. Mais c'est ce que je viens d'expliquer. Oui, mais côté entente, ça parle de qui justement, c'est ce qu'on appelle un effort national. Il faudrait que, quand la patrie est en danger, il faudrait que ses fils. Ils ont débrouillé de toute arrogance et puis ils ont cherché ensemble une solution. Parce que c'est un problème. C'est un problème. Parce que si par exemple on continue avec cette affaire, imaginez-vous que cette affaire de kidnapping est devenue une sorte d'industrie. Vous voyez, on a pris son monde. Mais c'est ça lié déjà. Il y a un pauvre monde. Or, question, ce n'est pas une question de. Ok, il peut y avoir toujours des têtes pensantes qui ont géré la question. Mais cependant, il y a un problème pour la nation. Maintenant, même les étrangers n'ont pas qu'à visiter nous encore. Parce que tout le monde a peur. Bon, pas seulement les étrangers.
Non, je l'ai dit. Ou, par exemple, ou pas aucun moyen pour attirer touristes la caille, ou pas aucun moyen pour attirer quoi que ce soit, parce que tout le monde vient peur. Bon, nous faisons. Alors, dans ce sens, ça, ça vient un problème national, et puisque c'est un problème national, donc par conséquent, il faut que nous résoudre nationalement. Et pour nous résoudre nationalement, ça pour fait. Son véritable chita, attendez, franc, sincère. Entre qui et qui? Mais j'ai bien dit, les forces vives de cette nation. Que ceux qui se réclament, par exemple, d'opposition, ou ceux du pouvoir, ils doivent reconnaître qu'il y a un problème. Pays a confronté à une situation qui presque devient incontournable. Alors à ce moment-là, c'est un front commun. C'est un front commun qui pour fête, pour que les enfants de ce pays disent, écoutez, arrêtons le char. Et pour arrêter, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des sacrifices. Et sacrifice, ça, il faut le faire des deux côtés. Parce qu'à un certain moment donné, il y a une petite phrase dans l'histoire d'Haïti qui dit qu'à un certain moment donné, Rochambeau fait cesser la bataille pour présenter ses hommages à l'officier noir. Eh bien, je vous dis à là, cette querelle qui gagne dans le pays, la bataille pour le pouvoir qu'a fait là. Mais moi, est-ce que son bagage qui n'a avantage pays? On parlait tout à l'heure de l'arrogance. Oui, c'est de l'arrogance. De l'arrogance politique. C'est pas orgueil, lié plutôt. Cher Mabdou, il y a orgueil, par exemple, on dit que. Mais l'on pousse le cognac, c'est-à-dire vers la haine. Ou pousser lui vers, comme c'est là, donc, par contre, sous le temps des discours, c'est des discours haineux. C'est pas vraiment comme c'est là, comme si nous cessions d'être frères, nous cessions d'appartenir à une même nation. C'est comme si Mdado, que problème population, hein, presque pas problème aussi de l'autre groupe. C'est chaque coucou, je clé repougé, son bail, on tient pas que nous trouvons maintenant tête nous depuis longtemps. On dit ça? On tient pas. C'est-à-dire une sorte de proverbe que tu dis chaque coucou, je clé repougé. Oh non! La vie faite de solidarité. Ou pas qu'à vivre, ou pas qu'à fonctionner. Même pas ouais, non? On va écouter solidarité, ça absolument. Il faut nous chercher. Faut nous chercher parce que. Et la naissance même de cette nation, même les défaites sont fond de violence. Et dans le cas où, situation ça que vous avez dénoncé là, matin, hein, et dans le cas où il y a un secteur que le rangé, il y a un secteur qui complète là-dedans. Bon. Un problème qui posait, c'est vrai que on sait le monde qui connivait dans une situation. Avec tellement de tellement consommé de stupéfiants, et tellement consommé de champagne, on voit depuis tête ou une pas là encore, et c'est normal, il prend plaisir dans le mal. Mais moi, je pensais que dans le pays, si je regarde où même, si je regarde tant d'autres qui ont fonctionné, il reste encore quelques vies dont c'est le monde qui, quand même, est. Pas t'a aimé que bagaille ou glisser dans cette descente aux enfers. Mais à ce moment-là, c'est ces gens-là qui doivent dire non. Mais généralement, ils ne savent pas comment le faire. Parce que quand il y a des gens qui pensent que, par exemple, vous faites une manifestation contre le kidnapping pendant ce temps où on bande des cagoulés et puis ils amènent mais ça veut dire quoi? Et puis, après, ils font un bilan, ça a été une réussite. Mais non! Vous encouragez le mal dans ce sens-là. Ces gens de manifestation, qu'on façon pour faire, qu'on façon pour dire non, qu'on façon tout pour bloquer bagayou. Imaginez, par exemple, ça fait presque des ans, là. Cette route qui mène à Saint-Domingue. Gantier, la route de Gantier. Gantier, quoi, des bouquets, ouais, ça. C'est pas jeudi à mon après l'an moins. Mais écoutez. Avec les 400 Maozo. Ils sont 400. Dit-on. Oui. Mais il y a toute la population qui est là-bas. Les gens sont là. Les gens sont là. Et les gens vont avoir l'impression que les gens s'en foutent. Mais après, ils viennent crier, pleurer, etc. Mais
s'il n'y a pas de solidarité, s'il n'y a pas une sorte de réveil national. Bon, peut-être le besoin réveil en là, besoin de solidarité en là, Pasteur Richer, mais et lorsque nous sommes sur route pour nous considérer le kidnapping non, comme un bagage normal, comme un fait divers, et que tout le monde accepte, je vous dis, vous prenez Pasteur Richer, vous demandez pour le bail $1 million, mais pas inquiéto, c'est à 500 000 gouttes, 750 000 gouttes, vous voulez arriver. Je vous dis, vous n'avez pas l'impression que les Haïtiens sont presque résignés, vous avez seulement à prier pour que le kidnapper ne pas arriver sur vous. Bon. Moi, Mabdo, c'est que ben, la vie nous sort d'industrie. Parce qu'à partir du moment que chaque fois, nèg la prend son monde, et puis il demande l'argent, et puis tout le monde dégage ben, l'argent. Je me disais dernièrement, Mabdo, que pour ce qui me concerne, j'ai passé des instructions formelles à toute ma famille, bien que force moi ne doit pas permettre de me mais il me dit que pas un sou. Parce que tant qu'on fait ça, on baille. C'est vrai que ça m'a dit, ah, le gain doit peut-être, le gain doit sortir pour le monde, et puis pour que vous prenez le monde. Mais cependant, les gens qui ont kidnappé le monde, il fait 8 jours, 10 jours, non mais monsieur. Mais le monde, ils sont locs, ils tournent. Il n'est pas mort encore. Il est déjà presque mort. Aux zombies. Oui, tous les zombies. Alors, dans ce sens, ça me dit que c'est vrai que, bon, il y a des gens, par exemple, qui ont kidnappé, même les lagues, les hôpitaux, tout le monde. Et je crois que si nous continuons dans la logique, ça, mettre des conduits, chercher l'argent, bainer, la vie nous sort d'habitude, et puis nous avons dépossédé la population. Est-ce qu'on va sur route là déjà? Nous déjà sur lit. Et c'est ça que fait nous que ce phénomène d'insécurité généralisée nécessite une approche nationale. C'est-à-dire, il faudrait, à mon avis, qu'il y ait une sorte de trêve. Donc, ça veut dire que pas quitter ces autorités qui gèrent la question qui est d'abord pour continuer, c'est nous tous pour mettre bien alors. Mais, imaginez-vous. Par contre, si vous attendez ce qui s'est passé, par exemple, et soit hier, soit avant, soit c'est de mon quartier qui volait mieux, qui prend un petit monde, et puis à la velle. On ne peut pas dire que pas de monde qui voit. Les gens voient. Mais les gens se taisent. Ils ne peuvent pas parler. Parce qu'ils ont peur, non? Oui. Quand on est prêt pour pauvre. Mais écoutez, mon frère me dit qu'on dit, il a frappé quand un tel, il m'a inquiété, puis il a vu frapper la caméra, pas de personne qui peut te dire rien. Et mais c'est ça qui a pris. Il a pris un moment côté que si nous croisons les bras, nous, et puis nous avons perdu du temps à identifier, pointer du doigt X ou Y, sans développer une véritable solidarité nationale pour nous contrer bagay ça, on peut le faire. Il y a moyen de le faire. Mais ça quand même, Jovel? Peut-être que la volonté manque, la sensibilité, tu vois, cet esprit, cet engouement pour sortir de ce gourbier pour arriver. Mais nous sommes là-dedans, mais en plein. Mais c'est toute qualité monde qui est déjà victime, c'est toute catégorie sociale qui... Yeah, même, écoutez, yo prend des gens qui travaillent dans le palais national, yo prend des policiers, des membres de l'USGPN, yo kidnappé même policiers, yo prend policiers, yo prend homme d'affaires, yo prend monde l'église. Mais yo prend tout le monde. Yo prend tout le monde. Mais vous savez, par exemple, actuellement, demander seulement au pouvoir de mener ces combats. Or, le pouvoir actuellement, son seul bras armé qui est dans le pays. C'est vrai qu'il y a tentative de remettre sur pied l'armée, mais comme vous pouvez le constater, ça ne marche pas vite. Alors, le seul bras armé qui est dans le pays, c'est la police.
Oh, regardez ce qui s'est passé au cours de ces derniers mois. Ouais. Et il y a même tentative pour yo déchiqueter police là. C'est-à-dire rendre li moins fonctionnel. Mm-hmm. Alors dans toute bagaille ça yo, moi je crois que non seulement que le pouvoir doit renforcer bien sûr seul bras armé que le gagnant, mais en même temps la police, la population, tout le monde est supposé faire un corps, une entité, pour nous mener combat contre ce complot. Parce que j'ai dit que c'est un complot. Est-ce et complot a l'issoti. Parce que imaginez-nous, nous ne produisons pas d'armes, nous ne produisons pas de munitions, nous ne produisons pas de cartouches. Or, chaque jour, et tout, oui, comme si nous avons plus qui gagne dans le pays, c'est chaque jour où nous avons avec des armes à monter des sangs, personne ne va pas freiner. Je me souviens, Dessalines était avec environ 1500 nègres à la crête à Pierrot. Et puis, nous avons monsieur. Les monsieur, oui. Que c'est l'engloutissement qui peut arriver. Je me suis tourné vers les soldats qui étaient avec lui. Il a dit, écoutez, dans un moment ça, je veux garder avec moi que des braves. Mm-hmm. Tous les fainéants, foutez le camp. Mm-hmm. Oui. Et il dit que monsieur Sauti, dans le fort, il est arrivé jusqu'à atteindre Charrier. Alors, je ne veux même garder s'il y a eu beaucoup de morts... Je ne veux garder avec moi que les braves. Voilà. Même s'il y a eu beaucoup de morts dans le groupe monsieur A, mais il a frayé un passage et puis il allait y arriver, Breda, et côté de Tabralia. Eh bien, je vous dis à la mettre là, même parce que si mon n'est pas satisfait, si on pas prend plaisir dans ce qu'on fait là, il y a moyen de freiner ce genre de choses. C'est pour ça que, pour sa fête, le gouvernement, de concert avec les forces politiques, les organisations sociales de cette société, il faut que mon chit attende national qui fait sous question ça, précisément. Et seulement, et après, on a parlé de l'autre bagaille. Oui. Élection, référendum, et autres. Bon. Même toute bagaille ça, que ce soit référendum, élection. Yo, moi, non, je t'ai parlé. Parce que phénomène non, ça, est-ce que, par exemple, des situations comme ça possibles. N'a pas une sous-question en élection. Bon, je t'ai parlé. N'a pas une sous-question en élection. Moi, j'ai dit une chose. Que Haïti se trouve actuellement dans une sorte de plafond. Ça veut dire, il n'y a pas qu'à percer le plafond. Ça veut dire, il n'y a pas qu'à aller plus loin. Bon, c'est sans balle, c'est... Dans ce sens, c'est pas simplement un chit attendu pour un partage de pouvoir, de responsabilité, non? Son chit attendu, un réveil national, sous route que nous prenons jusqu'à date là, mais côté le mené, nous, est-ce que pas une nécessité jodi, hein? Pour la population haïtienne, dit, écoutez, l'erreur est du domaine de l'homme. C'est vrai, nous gourmets, nous faisons pile sacrifice, nous prenons indépendance, nous créons nation, nous créons langue. Mais voilà que nous arrivons au moment, elle a bloqué nos mains. Que faire? Et dans ce sens-là, moi, je pense que le que faire reste du domaine d'une volonté nationale. Gagné, vous parlez longtemps, vous parlez souvent là, de complot. Gagné, un auditeur qui dit pour Mando, est-ce que ce n'est pas dénoncer ou dénoncer un troisième larron? Est-ce qu'il y a un troisième larron? Pas quoi son troisième larron. Parce que ce que les Haïtiens n'ont jamais compris,
Tout ça que nous faisons là, nous faisons seul et contre tout. Ça veut dire notre indépendance. Nous pas de soutien personne pour nous prendre l'indépendance. C'est nous faire. C'est nous créer. La notion de liberté, c'est nous porter. L'abolition de l'esclavage, c'est nous porter. Nous faisons toute une série de bagages, c'est-à-dire nous mettons en déconfiture tout un système économique qui a fonctionné à un certain moment donné. Oui, mais ça, c'est le passé, ça a plus de 200 ans. C'est pas le passé. Cette haine a poursuivi nous jusqu'à présent. Ça veut dire que nous avons des ennemis. Et pendant tout un temps dans l'histoire pays, on nous a attaqué tribord et bâbord. Donc, est-ce que son troisième larron? Larron, ça a toujours existé. Et c'est pour cette raison que j'ai dit la nécessité est de mise aujourd'hui pour que les Haïtiens reconnaissent que nous n'avons pétrin. Et que pétrin, ce n'est pas simplement nous amuser à changer de pouvoir. Imaginez-vous, je ne sais pas quel âge que vous avez gagné en 86, les Duvalier allaient. Jeune. De 86 à nos jours, beaucoup de gens qui prennent le pouvoir dans le pays pour dire maintenant, on va jouer dans l'arrière. Faut l'aller. Puis, c'est comme ça. Vous voulez pas, faut l'aller. Et ça fait 34 ans que nous avons fait la même bagaille là. Pour rien. Il n'y a pas pour aucune solution. C'est vrai que dans le formalia, et M. Soti, il fait haut-toi et puis M. Metil. Mais c'est tout. Donc aujourd'hui, ça veut dire que cette faiblesse théorique qui a fonctionné dans le maïnou là, il faut nous faire un effort pour nous dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Et puisque personne ne va jamais aider nous, donc c'est nous-mêmes qui pouvons faire un effort pour nous aider tête. Nous allons finir pour la partie émission, sénateur Andris Richer. Alors, nous avons tenu quelques points. Vous dites, nous n'avons pas produit ZAM, nous n'avons pas produit cartouche. Puis, gros production, on vous dit que c'est malandrin. Vous ne pouvez pas dire ça. C'est une façon de parler. Ah. Non, alors, nous avons est-ce que pendant ce temps-là, nous avons cessé de produire des malandrins ou bien est-ce que la production a augmenté? Oh, well, déjà, monsieur, bon, pas dit ça, nous, là. Est-ce que vous voyez qui ça nous est? Ça veut dire que je dis en là, par exemple, même le petit bonhomme qui habitait dans le coin, on prenait pour quelqu'un, pas, disons, pas sérieux, mais quand même, on est qui pas mêlé dans le monde. Bon, je dis à monsieur, son antenne niée. Vous finissez passer là, quand vous allez le téléphone, il relève. Tu sais, par exemple, un combat nous a mené, on l'a. Nous songeons que longtemps, l'homme mourit, les Iwa par exemple. Si le grand parent dans Port-au-Prince, c'est pour moi que nous connaissons que nous avons mouru. Qu'on y a là. Alors, combat d'apprenant, c'est pour que généraliser l'éducation, faire en sorte que la communication, que ce soit physique et communication, forme que nous avons fait là, généralisée dans le pays. Mais je dis effectivement, dès l'arrivée de ce machin, ce petit machin là que vous avez en main, vous avez tous nos problèmes pour le pays. Le respect n'existe plus, puisque tout le monde utilise ça pour dire Wendel ça vous voulez, dit Pasteur Richer ça vous voulez, dit Monsieur ça vous voulez. Et en même temps, il servit tout de outils pour négocier fonctionner dans le mal. Alors, dans ce sens-là, moi, je dis, l'on société arrive à un moment comme ça, la société a impérativement obligé de faire un chita. Faut le faire camper. Et pour le camper, pour le questionner, tête, parce que nous n'en sommes. Et Souka a parlé, il n'y a pas longtemps, il a dit que Gomo a privé. C'est bandit dans la zone pour demander autorisation pour entrer la caillou. Nous, aux portes là, déjà. Nous, aux portes là. Donc, ça veut dire que. Mais moi-même, je pense.
Et cet appel que je lance à la fois au pouvoir en place, à l'opposition et les forces vives de cette nation, en nous font camper sous une série de querelles de bas étage. Voilà. Mm-hmm. En nous regardant la nation. Et là, je parle par exemple de organisation. Je parle de tout le monde qui a l'argent dans le pays à tout. Les qui ont corps, qui ont moyens dans le pays. Il faut mettre le bout la table là pour nous gérer le problème aujourd'hui. Mettre l'argent dehors pour nous résoudre le problème qui est là. Tout bagaille. Connaissance, moyens, et puis pour nous contrer bagaille ça. Parce que Haïti, son perle. Haïti, son pays de rêve. Haïti, son. Lors vous visitez pays ça, par exemple, je prends une petite zone, côté me sortir à zone Dame Marie, Zeno, Iwa, mes amis. Ils sont merveilles. Mais je dis à voilà que, en vont à l'DSA, il faut réfléchir 15 000 fois pour qu'on soit même à privé. Donc, dans ce sens-là, je pense que peut-être que mon gars a dit que je suis en train de prêcher dans le désert, mais de toute façon, Jean-Baptiste l'a fait. Mm-hmm. Il a prêché dans le désert. Oui. De quoi qu'on Non seulement il a prêché dans le désert, voilà qu'aujourd'hui, 2000 ans ou 3000 ans après, le nom de Jésus est proclamé partout dans le monde. Donc, c'est qu'il n'a pas prêché en vain. Non. Alors, dans ce sens-là, moi, je pense que je vous dis, hein, il faut que les étudiants, ils font stopper, soit fait craser, briser. Parce que, ou pas qu'un étudiant pour les têtes ou graines dans le monde, pour les têtes ou rat pas caca. C'est aider pour aider les sociétés à réfléchir vers des solutions qui a ouvert globalement. Alors, dans ce sens-là, je vous dis, les associations des étudiants, les intellectuels, les professeurs, tout le monde qui est concerné dans la société, c'est un devoir et c'est un appel que je lance. Il faut nous faire un effort pour nous camper ça. Parce qu'autrement, la tout non savane. Merci, sénateur. On peut y poser, puis on peut tourner après. D'autant que il y a quelques nouvelles qui viennent de jeune moi là depuis matin. On avait essayé de confirmer. Quand je parle de nous à Carrefour, une opération de la police menée qui a permis de mettre en bas code près de 25 présumés kidnappeurs dans le quartier de Chavez. Bon, mais c'est les ministres de justice, hein, comme c'est lui qui confirme les nouvelles. Malheureusement, je ne d'après, mais capable de confirmer les nouvelles ça, à travers la rubrique Le Point. D'après, mais capable. Joindre une version plus ou moins fiable, officielle, pour que pas induit non en erreur. En tout cas, merci beaucoup, sénateur Richer. Nous allons prendre une petite pause et puis nous allons tout de suite après. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le sénateur André Richer. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Avec nous ce matin, le sénateur Andris Richer. Sénateur, il y a un message par autour, mais mon petit téléphone. Vous avez essayé, Léo? Bon, je ne comprends pas. C'est toute la journée impressionnée. Mais cet outil-là, j'en t'ai dit, ce machin, qu'on t'ai dit là. Ce truc-là est parfois très utile. Oui, oui, mais il est utile parce qu'il permet de communiquer avec des gens, tant que même à parler là, c'est par téléphone nous parler. Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'en même temps, tout, il vit un petit genre embêtant par utilisation qu'on sait de moyens de faire. Mm-hmm. Ouais. Et bon, comme nous parlons pile de questions de kidnapping, insécurité, puisque ça, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, Où arriver à l'étranger, mon abdi, oh, comment vivre, qui j'en bagala est là-bas, ça m'entend d'abdi dans la radio, est-ce que c'est vrai? Donc ça veut dire que question de kidnapping, insécurité, les préoccupés au premier plan, c'est vos mouni aujourd'hui là. Alors avant de nous enchaîner, qui de me confirmer les nouvelles là, parce que bon, les pas voulaient faire des interventions publiques, même arriver, parler avec le ministre de justice là, Maître Rockefeller Vincent, qui confirmait qu'effectivement, tu as gagné environ 25
présumé kidnappeur qui a arrêté hier soir dans zone Carrefour. Donc là, moi cité parole ministre là, qui dit que je dois confirmer la nouvelle là. Donc, c'est vrai selon le ministre. Là, après la nouvelle, pour ça, quelle réaction vous avez même? Bon, c'est vrai, Carrefour vaste. Mais il est dans ici dans zone Chavez. Et que pour gagner tout ça, c'est que puis a effondré. Vous comprenez? Si dans petit Chavez, il prend 25. Vous connaissez ça, pour Chavez? Oui, écoute, il a fait usine. Usine, non, c'est lui-même. On parlait de centrale, non? Centrale, là. Parce... Ah bon, c'est Chavez, il est là? Oui, mon Dieu, bal non, on a ici. Toujours cherché un nom pour le bail sous bail. Même pas si c'est zone ça, je ne sais pas exactement, je ne sais pas, même d'où, les caps c'est dans zone ça. Donc, là, pour une petite zone comme ça, pour le grand niche, ça veut dire, il arrive à mettre, mais sous 25. Donc, ça veut dire qu'il y a plus. Donc, une petite zone comme ça. Donc, il y a tout viré dans zone Ouané, ou viré dans zone Maroutier, ou viré, c'est le Carrefour. Pour descendre, on y a plus bas. Il ne va pas parler de Grand Ravine, il ne va pas parler de... Non, il y a pays infecté. Donc, dans ce sens-là, si c'est... Bon, puisque vous dites, le ministre a confirmé, c'est que c'est vrai qu'on a trouvé ces gens-là, mais dans le cas, ça... Pays a perdu. Pays a perdu. Ouais. Ce qu'on a fait là pour nous sauver? Mais c'est ça, nous, je dis, depuis le matin, de ça n'a pas parlé. De ça n'a pas parlé. Il faut que c'est un effort national. Il faut que le pays se mette en réveil. Bon, partager avec vous, avant de prendre question élection, bien que nous n'avons pas le temps, on remarque un auditeur, pas n'importe qui, c'est un monde plus ou moins avisé. M'appelle, remarque l'IA, in extenso. Salut, sénateur Richer. Juste une remarque. Ça fait longtemps que la population a perdu confiance dans ses dirigeants. À l'origine, les fantasmes, les dépenses ostentatoires de ses dirigeants. Ironie de l'histoire et de notre soi-disant démocratie, les dirigeants d'avant 1986 étaient plus proches de la population que ceux qui sont venus après. T'as même dit au bas de ça? Oui. Bon. Je ne crois pas que les nèg avant eux étaient plus proches. C'est que c'est ton politique sérail qui t'a gagné. C'est-à-dire que Duvalier était envahi tout pays par un système macoutique. Et que, bon, c'est-à-dire c'est plume de gouille. Parce que, bon, songez, et ravage au fait, par exemple, à Jérémy. Et quand tu ramasses toute une série d'étudiants à l'école normale, et puis jeudi, à l'aéroport est disparu. Et ça t'a fait à travers tout le pays, à Jérémy, au Caï, un peu partout. Il y a des familles qui décimaient, les Lubins, les Boujoli, tout le monde. Donc ça veut dire que jeudi, là, je pense que c'est très dangereux de faire la comparaison entre ce qui s'est passé de 1957 à 1986. Et ça passe de 86 à aujourd'hui. Je crois que la population haïtienne, non, je l'ai dit plusieurs fois déjà, au lendemain de 86, jeunesse pays a voulu aller de l'avant. Je voulais finir avec le système grasé-zo, grasé-brisé, babouquette, etc. Mais malheureusement, pays a été vide. Au niveau intellectuel, politicien, qui était capable d'encadrer jeune ça. Il y a des gens qui sont pas d'accord avec vous. Écoutez. Il parle d'un pile qui était en exil qui retournait. Très peu. Très peu. Oui, mais il y a eu le retour de Gérard Pierre Charles. Il y a eu le retour de Leslie Maninga. Mais il y a eu mon retour. De René Théodore aussi. René Théodore, mais très peu. C'est-à-dire que. Ou qu'à compter sous douette les quelques dirigeants qui retournaient dans le pays. Hein? Et là, ils retournaient, donc il fallait faire avec. Donc ça veut dire que, mais malheureusement, Nexayo, par exemple, toutes ces organisations de jeunes qui t'ont fait à travers, ça nous était les brigades de vigilance, etc., il n'y avait personne pour canaliser, comprendre, cette énergie,
ce mouvement vers quelque chose de créatif. Il vient déboucher sous ça, nous, les OP, on prend, et puis OP même, puis devant, vient de bord, brigandage, où nous avons un pays, je dis. Donc, et c'est pour ça que. Donc là, est-ce que ça veut dire qu'on peut accuser les leaders d'après 86 et qui auraient péché selon eux-mêmes? On ne peut pas accuser eux, même d'où il y a un manque de compétences. On manque de compétences. Oui, mais quand on dit que pendant dit manque de compétences, quand on dit que Jean-Claude Duvalier a dirigé pendant une bonne année, alors que bon, c'était pas. Mais pendant Jean-Claude Duvalier a dirigé pendant ce temps. Pratique qui était gain dans pays à saleté. C'est petit tout qui était Makout, c'est lui qui entré à l'université. C'est petit tout qui était Makout, c'est lui qui entré et dans l'académie. C'est petit tout qui était Makout, c'est lui qui, même dans le lycée, nous racontait l'histoire de parrain qui a mis un petit monde dans le lycée, dans le sixième, dans le lycée Pétion. Et puis il est arrivé, il dit qu'il n'y a pas de place, il dit qu'il va mettre dans le cinquième. Il dit non, le cinquième est déjà plein, il dit mettre dans le quatrième. Là, il dit tonnerre. Et puis il dit qu'il retourne toute prédiction, il dit qu'il y a un grimaud. Chita, il dit grimaud, comment qu'il est venu? Et moi, je dis qu'il y a chita dans la place. Mettez-le dans le retourne, c'est un certificat. Alors, c'est une anecdote, mais oui. Qui traduit. Une certaine réalité. Voilà. Maintenant, ça me l'a dit, par exemple, que, puisque Duvalier parti, qu'on y a là, je n'ai pas vraiment des changements. Mais le bac, c'est un encadrement. Et encadrement, le bras, je vais là. C'est des slogans. Vous comprenez? C'est des slogans qui pourraient exciter le plus à la haine. Au lieu vers la construction de quelque chose de nouveau. C'est ça qui fait que, de 86 à aujourd'hui, c'est périclité dans périclité. Nous pas qu'avancer parce que ça t'a demandé après 86 un véritable chita tendé pour nous rebattre quatre sociétés. Mais nous t'ai gagné capacité ça, nous pas de cafel. On a cru à un certain moment donné de que une fois gagner le pouvoir, eh bien, puisque c'est des démocrates, des révolutionnaires, entre guillemets, qui prennent le pouvoir, eh bien, ils vont organiser la société. Mais quand Aristide est arrivé au pouvoir, 7 mois après, il y a eu un coup d'État. Et puis, c'est des bandades. Et j'y joue, je dis, on a traîné les bagages derrière nous. Alors, moi, je veux dire que il faut faire attention de comparer, parce que ça passe, il y a. Les passés sont une étape que nous avons passé, dictature, nous passé étape là. Mais je dis, nous soi-disant entrer dans un système démocratique sans préparation, bien sûr, sans encadrement et sans moyens, parce que tout ça a marché ensemble. Alors, qui fait que nous avons traîné. Mais, ceci étant dit, que ce monde qui était dans le système makoutique là, après 34 ans, il y aura un compte de réalité. Que les nouveaux, c'est ça, oui, que je dis, chita ensemble ça, réflexion nationale ça. Parce que nous bloquons, et il faut qu'il y ait cette réflexion. Regardez par exemple, on va y passer là. Chaque jour, je ne parle pas de complot. Toutes les fêtes nationales, je dis, profanées. Ou pas qu'a dit que ou a fêté 18 mai. Au contraire, si le président parle à Kaye, ou t'as tout radio, oui, M. Pelle va aller. Mais pourquoi aller encourager la violence? Puisque normalement, je vous dis là, faut contenu. Les gens doivent manifester, les gens peuvent manifester. Mais il faut aussi avoir la capacité de contenir tout le bagage pour ne pas déboucher sur des violences extrêmes. Mais quand vous n'avez pas suffisamment de moyens pour le faire, évitez pas capot. Mais par contre, je dis à la, si nous avons un sentiment national, 1er janvier, c'est soupe pour nous taper. Ce n'est pas contre pour nous taper chercher l'autre, parce que c'est une fête nationale. C'est la création de notre État. Nous devons respecter notre drapeau. Et ceci doit être un enseignement national.
Alors, dans ce sens, ça, je l'ai dit aujourd'hui, hein, c'est vrai que. On prend. Il y a toujours une tendance à comparer, mais. En tout cas, je veux dire, moi, j'appelle toutes les forces vives qui existent. Les partis politiques, les organisations de la société civile, les églises, toutes les forces vives, le pouvoir, pour faire un effort, pour décréter une urgence nationale et qui passait par un véritable chit, attendez, sur le que faire pour sortir de cette situation. Merci. Il va annoncer pas une élection. Sénateur à candidat. Bon, moi, je pense tout court parce que faut nous finir, sénateur. Bon, est-ce que ma candidat? Moi, je pense que se porter candidat pour moi a toujours été un esprit de rendre service. Mm-hmm. C'est-à-dire, si je me rends service en alors, tant que alors, sénateur. Alors, une volonté. Hein? Dans un esprit ou bien une volonté pour rendre service? Pour me rendre service. Maintenant, nous sommes candidat dernièrement. Il y a eu tout un montage contre moi dans le département de la Grande Anse par un autre candidat qui est allé jusqu'à dire que je participais au complot qui te permet que arrêter Guy Philippe, bon, qu'on histoire. Mm-hmm. Vous êtes là-dedans vraiment? Hein? Vous êtes dans un complot vraiment? Est-ce qu'il y avait complot vraiment? Hein? Donc ça veut dire que l'autre qui... Qui dit ça? Bon... C'est ça, moi, des petits fiers menteurs, des petits... Oui, mais en politique, tout est permis, c'est ça, peut-être. Je... Non, tout n'est pas permis en politique. Au contraire, vous devez avoir un peu de, d'honnêteté, vous devez avoir un peu de respect. De grandeur aussi. Vous comprenez, de grandeur d'âme, vous pas capable pour être tout comme ville citoyen, et puis vous comprenez, amuseux à bien mentir, tout côté viré. Même je crois que c'est impardonnable. Mmh. Maintenant... Bref, maintenant... Pour retourner à la question... Pour retourner à la question... Si... C'est ça, je dis là. Si... Ça veut dire que ma participation aux élections dépendra de quelle sera la volonté de couper le phénomène ça qui vient dans le pays aujourd'hui. Parce que je ne vais quand même pas... C'est vrai que Mbappé mourit. Mmh. Cependant, je vais capoter ma bouche comme ça. Mm-hmm. Parce que c'est que je t'explique que ça va passer dans une petite zone reculée tant pour Dame Marie. Mm-hmm. Donc, c'est le cas pour Pestel, c'est le cas à Beaumont, c'est partout. Donc, il faut être capable de faire campagne. Campagne. Pour que cela puisse se faire, il faut qu'il y ait une entente nationale. Il faut qu'il y ait une entente qui fait. Et c'est pour ça que j'appelle que le gouvernement, c'est vrai que le gouvernement a mis toute structure en place, il dit la fossée. Mais à un certain moment donné, puisqu'il s'agit d'une affaire nationale, et que la situation nationale est en péril, donc il faut qu'il y ait une entente, il faut qu'il y ait un chita pour que normalement nous jouions une solution. Et en c'est à ce moment-là seulement mm-hmm. que moi-même m'a décidé si je participe ou pas. Et même en temps de ça, il est valable pour référendum, non? Pour changer la constitution? Bon, si tu es capable de gagner, par exemple, même le changement de la constitution, si tu es capable de gagner cette entente-là, c'est-à-dire chita tendia immédiat, il est bon pour le pays, il est bon pour lui. Et peut-être à partir de là, nous fixer de nouvelles règles et puis nous mettre des balises qui doivent être respectées. Et si tu ne pas respecter, tu seras puni. Et bien, c'est ça que tu as fait. Mm-hmm. Donc. Gogon, dit-toi qui dit Mdjou, alors cette dernière question, il dit que est-ce que passivité législative là, et complicité là, avec l'exécutif n'ont pas contribué à situation ça, situation l'enfer qu'on est là, que nous vivons là. Passivité et complicité législative là avec l'exécutif là. Bon, par contre, si il y a complicité, même qu'à parler de passivité, parce que, imaginez-vous, par exemple, si je dis à là, on n'a pas un conseil électoral, c'est pas la faute de l'exécutif. La responsabilité incombe au Parlement, puisque il y a eu une loi électorale. Il y a eu une constitution qui a été amendée en désordre. Donc, ils viennent fixer de nouvelles règles pour monter un conseil électoral permanent. Puisque ils viennent perdre du pouvoir, ils ont pété coquin, j'y joue un jour,
10 ans après, yo te fin fait amendement, yo pa ka mettre conseil électoral là parce que yo pa senti yo en position de force pour occuper espace là. Mm-hmm. C'est toute bagaille ça me penser que jodi a là. Même par exemple et le rôle du parlement. Vous comprenez le rôle de l'exécutif. Tout bagaille ça fait pour chita discuter oui pour que nous joignons nos portes de sortie parce que imaginez par exemple un parlementaire qui fait 4 ans député et puis après 4 ans Louis. Qu'est-ce que ça veut dire? Nègla fait 6 ans sénateur après 6 ans Louis. Côté le passé, côté le vienne comme là. Alors que vous témoin que son petit bayard la comment on dit bayard encore? Un cacaran que le salaire d'un sénateur est un cacaran. C'est 84 000 gouttes, je dis pas même représenter 1 000 dollars. Vous comprenez? Mm-hmm. Alors côté nègla passé pour gagner tout bien ça veut gagner. Même parce que normalement, je dis, hein, société, ce n'est pas simplement parler de passivité, de complicité. C'est-à-dire, c'est parler de responsabilité. Je dis, tout le monde est responsable pour qu'il y ait un véritable chute attendez, un véritable rebat cap qui fait dans le pays hein, pour nous fixer l'autre direction. Mais il n'y a pas qu'à continuer à aller, Jean-Claude. Moi, je suis content de recevoir au matin, accueillir au matin. Et je pense que c'est pareil pour le public de Métropole, qui était content tout. D'ailleurs, interaction, il y a aussi témoignage palpable de contentement mounio pour tendre au matin, surtout pour recevoir conseil que au bayo. Mais c'est un pile là-dedans, la fait écho dans les oreilles dirigeants des forces vives du pays, parce que c'est une parole qui retournait à plusieurs reprises dans la réponse qu'au bayo à question. Appel pour entente, appel pour chute attendez, fond camper. Pour combattre complot, ça qui fait que nous ne sommes pas capables d'aller de l'avant. Sénateur Richer, encore une fois, Métropole d'eau, merci. Parce que tu es méthode disponible pour nous. Merci, et Wendell. Et puis, je profite de saluer la population et tout le monde qui t'attendait. Bon, c'est vrai, tant que je me dis, peut-être qu'il y a des gens qui ont dit, bon, tu as une salle, pas les trop dans les oreilles, mais il faut le faire parce que je suis obligé de prendre mon bâton de pèlerin. Et me mettre en marche pour que normalement le pays. Bâton anglais est différent, on peut lever encore pour mon nom. Ouais, non, c'est un petit bâton, il y a une lumière pour le soir, on est au stade arrivé, il faut l'immener pour que normalement il y ait besoin de lever dans la nuit pour me bagarre, etc. On est un grand monde, on n'est pas un jeune garçon tant que longtemps encore. Donc ça veut dire que je suis bien content et puis je salue la population grande dans ce temps, je profite pour me dire que. Il y a autant de ça qui a passé, comment les bagailles ont pris. Est-ce que il y a quoi ces bras, il y a quitté la dégénérée dans un point tel pour que les gens ne puissent presque pas circuler encore. Alors, c'est vrai que je profite pour demander mettre Léon Charles, parce qu'il faut le faire effort pour nous, même si par exemple, nous avons joint deux pick-up, une pour Chambilan, une pour Dame Marie, parce que nous avons désarmé, nous n'avons pas de moyens. Pour yo couper monsieur Sayo qui a fait mes corps dans trou et puis faut que tu aies moyen. Alors profiter et mander ça. Mm-hmm. D'ailleurs je vais continuer à parler avec lui sur point ça. Hein. Mm-hmm. Et puis je remercie la population mander que nous ouais voulons seul pas mener de quel côté. Mm-hmm. Il va mener nous pas faire avancer. Donc son moment privé faut nous reposer question. Je vous salue, Renel. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le sénateur Andris Richer, c'était notre invité ce matin. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec Métropole. Et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lissa Loto.